Il y a un village abandonné. Allez, on y va. Urbex, les gars. Là, c'est marrant. C'est pas ce qui a marqué. Bon, ça a été un peu retouché, mais au paradis. Là, ça sent fort le bourbier. L'endroit là, il est pas banal. Allez, je vais me mettre là. Pour un urbex, il y a trop d'habitations. Ils vont t'envoyer les flics rapidement, non? C'est possible. Il y a toujours mon graphe sur le mur opaque. Ah ouais? Où ça? On va aller voir ton graphe. On dirait le projet Blair Witch, je te jure. Patria. C'est quoi ça? Un monument? Putain, c'est ouvert, ils sont. À nos soldats, aux victimes civiles, qui ont été fusillés 14-18. Ah, en plus, quand je suis monté dans le nord, voir Rafid, là, il y a ma petite vidéo sur ma chaîne YouTube. On avait été voir des monuments. On va refermer ça. Rien que le bruit des feuilles, il m'a fait stresser. J'ai l'impression que j'ai entendu un bruit. Putain, c'est ouvert. Le cimetière est flippant. Ce bruit. Ouais, franchement, c'est flippant. Ah ouais, c'est un cimetière. Putain, il est ouvert la nuit. J'ai mon pote Pierrot. Ça change du bois de boubou. De ouf. Ah, il y a un caveau. Il est où ton pote Pierrot? On va lui rendre hommage. Non, ça va, il est pas trop flippant celui-là. Non, il est pas blessé, tiens. J'entends des voix. Ah, ils sont sur la place, ça y est, je les vois. Ils se cachent derrière l'arbre. Qui aura le plus peur? Putain, y'en a un, il s'est caché, t'as vu? Les deux. Il y a les deux ici, là. Il y en a un, il s'est caché là. Ils sont chelous, les types. On va pas te faire casser le camion, non, c'est pour ça que je reste à côté. T'as vu l'autre, il s'est caché derrière l'autre arbre. Tu vois? Il ne va pas, il se rapproche. On va voir, ça se trouve, on va faire la bagarre. Ça va les gars ou quoi? Pourquoi vous vous cachez derrière les arbres? Je sais pas, en fait on avait l'impression que tu nous prenais en photo ou je sais pas. Ah! C'est moi qui vous ai flippé? En fait on pensait que t'étais un mec qui habitait là. Ah ouais. Et on pensait que tu nous prenais en photo. Ah ouais. C'est chelou en fait. Pourquoi si t'as habité ici en fait? Non, non. Vous avez flippé, vous êtes à trois. Non, on s'est dit bizarre. Vous habitez ici? Non, pas du tout. Vous venez d'où? Vers Melun. Melun? Qu'est-ce que vous êtes venu faire là? Je sais pas, on est venu en urbex pour à peu près. Mais je suis venu pour la même chose. Ah, alors t'es venu tout seul? vous avez trouvé. Ouais? T'es un baiser. Ouais. Ouais, je suis un fou. Vous avez visité un peu? Ah ouais, on a fait les maisons à gauche là-bas là. Il y a plein de maisons abandonnées. Ah ouais. Il y a des maisons abandonnées et vous avez vu des choses intéressantes? Là, j'ai vu là-bas à droite, là, c'est ouvert. Vous êtes rentré dedans? Non, on n'a pas fait par là-bas encore. On va voir là-bas à côté, là, c'est ouvert. Il est où le château? Il est dans le parc? Je sais pas, il y avait un château ici. Oh putain! Ça détale! Un jour tu viendras me visiter. C'est pas mal aussi. Tu veux venir avec nous? Où ça? On va essayer d'esquiver les chiens. Vas-y, ouais, carrément. C'est bon, ça passe.
Là, j'ai entendu ça marcher. Ouais, ouais. T'as vu, on est d'accord. Ouais. Les gars, c'est là que ça se passe. Hein? C'est là qu'il faut rentrer. Hein? Il y a un mec dedans? Ah ouais? On va voir. Tu fais de l'urbex? Bah ouais. Dans un village bien bizarre. Le ciel est rouge. C'est effondré là. S'est effondré là. Le premier étage il s'est effondré. Oh la vache. C'est effondré. Oh, le papier peint des années 70. Je crois qu'il faut monter à l'étage. Hein. Tu crois? Les gars, plus vite, quelqu'un. Je te jure, il était dans l'angle. Il était dans l'angle? Ouais. Il faisait quoi? Il restait debout. Quoi? Je te jure, il est à l'étage. On y retourne? Non. Non, s'il y a un mec. S'il y a un mec, non? Ah, il était chelou, il était debout et tout, dos à moi. T'es sûr que c'est un mec? Bah, c'était peut-être une meuf, mais. Non, mais t'es sûr que c'était un humain, quoi? Ouais, c'était un humain. Et carrément. Oh, je m'attendais pas du tout. Ah, mais bon. Ok, la fin, si tu m'attends. On dirait qu'il y a là. Non? T'as dingue s'il y avait quelqu'un debout qui bougeait pas. Debout, dos à moi. Putain, j'aurais dû voir sur le live. Ah putain. Ils ont vu sur le live. Je sais pas, vous avez vu quelque chose? Ah ouais, oui. T'entends Julie? Ouais. Oh, ça fait flipper ici, les gars. Ça y est, vous voulez? On repart? On y retourne pas, les gars. Peut-être qu'il a besoin d'assistance, non? Oh, moi, je pense qu'il veut juste nous tuer, non? Il a juste menti, il veut juste nous tuer. Putain. Mmh. Moi, vous m'avez fait galerie. Je me suis souvenu du cinéraire, vous avez tourné à gauche dans l'impasse. Après. Moi, je t'ai suivi direct. Non, mais les gars, je vais aller voir. Il y a un mec qui dort là-bas. Moi, je dis, on le laisse tranquille. Là, c'est chercher la merde. Non, 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 non. Non, 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 on va se faire repérer.
sinon t'entends aïe. Ah ouais. Non, non, non. Il a cavalé. Toi, tu fais qu'être d'étal. Ah oui, venez, on va rebrûler, les gars, on laisse dormir. On laisse dormir. Je le vois, je détale. Là, d'ici, là, la justice sort et crie, on va tous partir en courant. Les gars, rebrûlez, rebrûlez. On le laisse au calme. Imagine, c'est un vampire. Même lui, ça se trouve, il a peur. Il y avait une maison qui était barricadée. Enfin, les portes et les fenêtres étaient barricadées, mais il y avait de la lumière. Ah ouais? Ouais, mais une des maisons, là, je sais plus c'est laquelle. Soit là-bas, soit plus loin, mais je suis sûr de moi d'avoir vu. Là, si tu veux, c'est à gauche. Vas-y, moi, je veux. Tu peux aller voir. Ouais. Chaud. Allez. Nikita, ouvre bien les yeux. Oh putain, ça glisse. Hein. Il y a des pavés et tout. Toto, quelle idée. Nikita, elle a fermé les yeux dès qu'on est rentré dans le cimetière, de toute façon. Là, vous avez été ? On a fait gauche, on va voir à droite. J'avoue, on n'a pas fait droite, les gars. Comment il peut avoir des pare-chocs ici? Par là, vous avez été. À gauche, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'à gauche, il y a un matin. Il faut à gauche, il y a un matin. Il y a des mecs qui dorment. On n'a pas été, il y avait le matin. Ça, voilà. Tu chasses le loup-garou. Il y a des gens qui habitaient là, mais la hauteur sur le plafond, il y a une cheminée. Ah, ça c'est un sol en bois. Ça par contre, ça peut s'effondrer, les gars. Ah, ça s'est déjà effondré là-bas. Oui, l'esprit. L'esprit, es-tu là? Ah ouais! Oh là là! Le mec il a déplacé son matelas. Ah ouais, le sol il est mort. Ouais, à tes mains ça s'est effondré même là-haut là. Ouais, si c'est mort. Il chasse le logobi. Est-ce qu'on va rentrer? Ok, bah vas-y. Si tu veux continuer, il y a par là, normalement, il y a des trucs. Vas-y, je vais aller voir. Il y a un endroit, il y a un matelas. Ouais. Je sais plus quel endroit. Ok, ça marche. Mais fais attention. Les gars, bon retour. Soyez prudents. Merci beaucoup à toi aussi. Ouais. Mais, merci. Ciao, les gars. C'est ouf.
un petit bout pour voir c'est quoi. Fiche. Putain, c'est un trou dans le... Ah, c'est vrai, si je me mange un bout, je vais courir. Ah oh, putain, ça s'est effondré. Le poteau en ciment, il s'est effondré. Vérifie ton camion quand même, moi j'avoue. Mais je suis bien intrigué. Ouais, il n'y a plus rien après. Bon Stéphane, on n'a pas vu tes graphes. Hein. Putain, j'ai tapé ma tête là-dessus. Oh, sur une barre de métal. Eh ben, c'était bien sympa. Hein. Merci Stéphane pour le spot. Ça fait plaisir. Tu cherchais quoi? Tu cherchais à me faire peur. Ouh. On s'est fait une petite frayeur là. Parce que le gars de la maison dort sur ton lit derrière. Toc, toc, toc. Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ne donnez jamais de nom de village. Ah ouais? Mais apparemment c'est archi visité mec hein. Qui croit aux djinns et à la dame blanche? Aux fantômes, aux esprits, aux sorciers? Ce soir vous allez pas dormir tranquille. Ah oh, putain, qu'est-ce qui m'a fait rire quand il a Valka. Non mais franchement moi c'est les deux autres. Là les gars vous m'avez tué. Quand on a bougé de la baraque et que vous avez tourné à droite, mais dans ma tête, je savais que la sortie, elle était à gauche. Vous n'avez aucune boussole. Si le mec, il aurait fait un truc, vous étiez mort. Dame Blanche, ouais, je l'ai vu réel. Vas-y, raconte. J'en peux plus. Hein. Vous m'avez tué, les gars. Vous êtes des bons. Hein. Franchement, vous n'avez pas peur. Vous avez des couilles, les gars. Hein. Venir comme ça et tout. Moi, la Dame Blanche, j'y crois. Ah ouais? Moi, j'ai vu une femme possédée au bled. Ça calme. Ah ouais. Ça, ça doit calmer de ouf. Si vous êtes chaud, on se refait ça. On se trouve à un endroit, mais hardcore, tu sais. Avec une histoire, avec un truc de malade. Faf was here. Le mec dans la baraque, c'était un truc de fou. Ouais, franchement, ouais. Ça c'était flippant. Ça a donné des frissons.